Alors, Very Nice Name, le numéro 3. On vous a montré depuis plusieurs années sa course de référence lorsqu'il avait terminé formidable 3e de la Dubaï Shima Classic sur l'hippodrome de Medan. Mais là, nous avons varié les plaisirs et nous vous avons montré la course de référence de l'un de ses fils. On pourrait dire de son fils, parce que si je ne m'abuse, Very Nice Name a eu un seul deux ans à l'entraînement en 2018. Et il s'agissait donc de Magic, que vous avez vu ici courir et terminer deuxième sur la piste extrêmement sélective de Bordeaux, notamment sélective par rapport aux deux ans. On sait que dans le sud-ouest, il y a énormément de deux ans de qualité. Very Nice Name, c'est la souche de Videorock. Very Nice Name, c'est un fils de Whipper, père d'Étalon. On a Recoletos également comme fils de Whipper qui rentre Étalon cette année désormais, au Hara du Canet à 8000 euros. L'un des meilleurs pur sang anglais du Qatar. Il a gagné l'Emir's Trophy, Very Nice Name, donc il a gagné l'Emir's Trophy en 2013, troisième de la Dubaï Shima Classic. C'est sa cinquième saison de monte en 2019, donc la première génération de 3 ans vient de prendre 3 ans. Et donc, comme je vous le disais, là, avec sa seule génération, son seul produit à l'entraînement parmi ces 2 ans de 2018, eh bien, il a donné ce Majdi, qui s'est placé lors de ses 2 sorties à 2 ans, dont une deuxième place lors de la course de référence, qui laisse augurer la possibilité de devenir Black Type à l'âge de 3 ans. Un cheval qui a beaucoup changé physiquement, puisque c'est un fidèle du Salon du Lion, Very Nice Name. Il est arrivé ici dès sa première saison de monte et il a considérablement évolué, prenant de l'épaisseur, un petit peu comme le président de la Selco et moi-même au fur et à mesure des années.